Bonjour à tous. Grosse bibitte. Surtout dans ce temps-ci, là, c'est pas chaud, là. Des moins 25, des moins 30. Là. On a besoin de nos petits foyers qui chauffent. La cliente me l'a apporté parce que les lumières se sont mises à clignoter tout d'un coup. Donc, ça fait quand même quelques jours que je l'ai ici dans l'atelier. Là, je l'ai branché. Puis au départ, c'est mal marché. J'ai pas eu de trouble avec. Là, ici, j'ai un autre bouton. Ça, c'est pour jouer avec l'intensité de l'éclairage. J'ai l'éclairage ici qui peut être un bleu. Puis celui-là ici, c'est pour mettre le chauffage qui sort ici. Ils ont tous des petits éléments chauffants. Fait que si je pèse dessus, mais voyez-vous ce qu'il fait? Il se met à clignoter. Puis là, je l'éteins. Il n'arrête pas de clignoter. Je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je suis allé voir sur Internet, parce que c'est quand même un bon, le Mish Coca. C'est un bon foyer électrique. Et puis je suis allé voir sur Internet, puis les informations sont rares là-dessus. Mais il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y a un petit moteur genre semblable à un moteur qu'on retrouve des fois dans les micro-ondes. Fait tourner une hélice en arrière. Je vais vous le montrer. Je l'ai ouvert déjà en arrière. Je voulais vous montrer. Ça fait que la première chose que je vais refaire, je vais le débrancher. Le revirer de bord. Et voilà. On va le mettre que vous puissiez le voir. Je parlais du petit moteur, il y a un petit moteur ici, là. C'est un petit moteur qu'on retrouve qui fait tourner les plateaux des fois dans les micro-ondes. Sauf que lui, il est juste sur un sens, dans le fond. Il est sur un micro-ondes, des fois, il peut partir sur un bord ou de l'autre, là. Eux autres, c'est juste un sens. Puis, c'est des petites palettes de métal, éclairées, avec des lumières. C'est des dalles. Il y a des dalles ici en dessous qui éclairent ça, qui font comme un feu de foyer. Dans le haut, ici, j'ai un petit moteur, un petit ventilateur avec un élément chauffant en avant. Quand on lui demande de chauffer, il part le petit ventilateur et il fait chauffer ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il se met à clignoter. Je le branche. Je l'allume. Vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne? C'est juste ça qui tourne qui fait dans des mouvements, donner l'impression que c'est un feu de foyer. Je peux jouer avec la lumière de ça. C'est en avant, on ne le voit pas d'ici. Mais si je pars le chauffage, remarquez bien ici. Il y a toute la misère du monde à tourner. Il n'est pas capable de tourner. Puis là, il déclenche, puis il se met à clignoter en avant. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, on va le nettoyer bien comme il faut. Beaucoup de poussière. C'est un petit moteur facile à nettoyer, ça. Je vais le nettoyer bien comme il faut. On va le démonter de là. Puis, je vais probablement enlever le couvert du dessus. Ça va être plus facile pour moi pour joindre ça. Puis, le contrôle est là, ici, sur le côté. Mais c'est pas compliqué ces appareils-là. Là, ils clignotent pour dire qu'il y a un problème avec. Fait que, allons-y, on démonte ça. Oui. Et voilà.
Il y a un petit capteur à température ici. On l'a débranché. On va pouvoir tout nettoyer ça. J'ai besoin d'aller chercher ça. L'élément est ici, dessus. On va y passer un bon coup d'air. Là, j'ai juste procédé à un bon nettoyage parce qu'il y avait de la poussière là-dedans. Puis ça n'a pas l'air évident à démonter. Malgré que j'enlève la vis ici, je pense que je peux enlever le moteur. Puis je suis allé gratter jusqu'en dedans des ailettes, mais là, elle a l'air à tourner. On va l'essayer. Ah oui, c'est vrai, j'ai débranché le capteur. Ça ne marchera pas dans ce temps-là. Bon, on va rebrancher le capteur. Sinon, elle ne voudra pas fonctionner. En attendant de même, pour réessayer ça. L'oscillateur tourne. Eh oui. Il était vraiment pris dans saleté, dans poussière. Mais c'est normal, hein? C'est un appareil qui chauffe ça. Ça attire la poussière. Puis, une chose que j'avais oublié de vous dire aussi. Dans le moteur, ne jamais mettre d'huile. Ces moteurs-là, ils fonctionnent avec des tampons à l'intérieur. Là. Vous ne mettez pas d'huile là-dedans, vous risquez de... Il va bien fonctionner pendant 2 heures. Après ça, il va jammer, là, il va ramasser toute la poussière puis il va jammer là. Fait qu'on le nettoie bien comme il faut, à l'air. Puis, on le réessaye. Puis ça devrait fonctionner numéro 1. Au pire, ça se remplace, ce petit moteur-là. Moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais essayer d'aller le démonter pour aller encore plus loin, nettoyer plus loin. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de saleté dans les ailettes, mais là, il n'y aurait plus. Fait que c'était juste ça le problème. Bon, ben voilà, il y avait besoin d'un vrai bon nettoyage. Là, il pousse de l'air au bout. Là. J'ai même enlevé le devant, j'étais allé enlever la poussière qu'il y avait partout. Il y en avait partout. Mais c'est normal, ça. Ces appareils-là, ça attire, ça. Ça prend un bon nettoyage une fois de temps en temps. Puis c'est ça qui est arrivé là. Ça de même. Oh, d'autres couleurs. C'est bien beau. Puis il chauffe. Il y a différents niveaux. Je pense que il est au plus chaud. Après ça, il descend d'un niveau. Il y a 4 niveaux différents, je pense. C'est ça, là, il est presque plus chaud. Là, il est éteint. Number 1, ma cliente va être bien contente. Merci.